Toute mauvaise rêve, toute mauvaise rêve,
proclamer dans ma vie, proclamer dans ma future. Gagne autour, commence à mourir, à mourir, à mourir, à mourir, à mourir, à nous, à nous, à nous, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, à nous, 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 nouvelle, nouvelle, gagne tout, par le sang de Jésus, 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 et le puissant de sa prière, et je donne tous mes bons rêves, tous mes bons rêves, bloqués dans le ténèbre, sans le bon espoir, sans le bon espoir. Sans le talisman. Pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta miséricorde dans notre vie. Merci pour ce privilège encore. Pour voir cette mois de Pâques. Viens glorifier ton nom. On va aller dans ta parole. Comme aujourd'hui, c'est notre Saint-Saint. Et tu nous as dit, tu m'as dit, prépare mon peuple pour recevoir le Saint-Esprit. Pour que tu vives dans leur vie. Saint-Esprit, viens nous diriger. Manifeste ta puissance. Comme le jour de Pentecôte, Seigneur Jésus, descend, viens prendre contrôle. Tu paralyses toute activité satanique, toute force de ténèbres, tout programme de ténèbres, tout esprit qui vient de Satan, qui veut essayer de rater au milieu de nous. L'esprit de distraction, il paralyse l'activité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens glorifier ton nom. Viens, ouvre ta parole. Manifeste ta puissance. Même le temps qu'on va rentrer pour manger et avec toi, notre Saint-Saint, pour manger ta chair et boire ton sang. Seigneur Jésus, à travers de cette Saint-Saint, que ton esprit rentre dans notre vie directe et prend contrôle total de notre vie. Au nom puissant de Jésus, avant prière, je brise et je détruis tout le miroir de ténèbres utilisé pour nous souvenir. Je détruis tout cet miroir, je brise cet miroir en pièces réparables par la puissance de l'Esprit de Jésus. Je paralyse tout le force de ténèbres, le pouvoir de nos engouttes. Je paralyse l'activité de l'Esprit de Jésus. De sorcellerie, l'esprit de sol, l'esprit de marine, mamie Ota. Je paralyse l'activité de l'Esprit de Jésus. Seigneur, plongez dans l'église dans le sang de Jésus. Couvre-nous avec ton feu, Seigneur Jésus. Règne dans ta parole. Règne dans ta parole. Ouvre-nous tous, notre connaissance. Quand on reçoit cette parole, que nous aussi on revient renseignement. Au nom puissant de Jésus, la bonne prière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Par la grâce de Dieu, quand on voit les gens en train de célébrer le Pâques, tout le monde, c'est le Pâques. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissent pas alors que l'église il est. Quand il y a une fête, tout le monde, beaucoup d'églises se sont rappelées. Parce qu'il y a une fête de Pâques. Mais si on demande les gens, même il y a les pasteurs, même il y a les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Pâques? Le Pâques, c'est quoi? Alléluia. Aujourd'hui, on va regarder dans le message qui dit le Pâques et le Saint-Esprit. Le Pâques et le Saint-Esprit. Alléluia. On va d'abord voir, parce qu'on peut nous poser la question. Qu'est-ce que le Pâques? Tout le monde ne connaît pas. Sans demander. Le Pâques, c'est quoi? Les gens ne connaissent pas. Et les gens ne connaissent pas. Même là où ça vient. Et même là où c'est écrit dans la Bible, l'explication et tout.
Aujourd'hui, on va d'abord aller. Les gens font beaucoup de ces messages ici. Les gens font beaucoup. Les gens qui suivent notre message, ils connaissent déjà qu'est-ce que Pâques. Quand on dit le Pâques, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Mais on va aller encore regarder le Pâques, c'est quoi? D'abord, on va voir l'explication de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens. Apôtre Paul nous a dit quoi d'abord? Si vous êtes là-bas, aide-moi à lire 1 Corinthiens 5, verset 7. Anglais dit: Post up therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Alléluia. En français. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, très simple définition de Pâque. Pâque, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pâque, c'est Jésus-Christ. Mais parce qu'on a déjà expliqué ça. Si je devais toucher un peu l'explication, mais c'est vrai qu'on a le message qui a déjà expliqué beaucoup de choses comme ça dans le YouTube. Le message de la table de Dieu, on va trouver ça. Donc, mais je devais toucher un peu pour rentrer. Pour ouvrir encore les choses. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit chaque jour, c'est niveau. Il y a chaque minute révélation. La révélation vient toujours, vient toujours. Amen. 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 Il nous a dit Jésus-Christ, c'est le Pâque. Maintenant, on va aller voir, par exemple, encore si on voit Matthieu 26. Matthieu 26 encore. Si on lit Matthieu 26, à partir de 20 au 19, Jésus-Christ, le temps que la Bible dit, le disciple de Jésus-Christ a fait des préparations pour le Pâques. Ils ont dit, le temps de Pâques est arrivé. Comme les gens ils ont commencé à les préparer pour le Pâques depuis deux semaines ou depuis le mois passé, ils ont commencé à les préparer, tout le monde prépare. Donc, le jour est arrivé, ils sont en train de préparer. Et ils sont dit Jésus-Christ. Ah, on va aller chercher là où on va rester pour manger, pour faire le Pâques. Alléluia. Comme tous les gens aujourd'hui, il y a les autres qui sont dans la maison de quelqu'un en train de manger. Il y a les autres qui sont dans la maison de. Il y a les autres qui sont dans l'église, il y a les autres qui sont partis aller manger. Le Pâques, ce n'est pas le temps d'aller manger. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'aller manger. Quand ils sont en train de dire, on va manger le Pâques, on va faire ça. Est-ce que c'est là, regardez. Les gens ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Vous êtes trop religieux. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont très, très, très religieux. Il n'y a pas la révélation. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il va toujours être religieux. Quelque chose comme un robot. Alléluia. C'est la révélation de l'esprit, c'est là, regardez que les gens ne connaissent rien. Ok, il a dit, Pierre, va vous. Va vous sortir, vous va trouver un monsieur. Va là-bas, va vous préparer ce que l'on va manger. Va préparer. Il ne sait pas que le Pâque est là. Le Pâque. Après, quand ils ont fait ça, là, ils sont en train de manger, il a commencé à dire que oui. Le temps est déjà arrivé. C'est pour cela qu'après, avant le Pâques, on doit avoir le message. Alléluia. Message d'abord. Donc, là, ils sont en train de manger, il a commencé à leur donner le message. Ce n'est pas bon pour le Saint-Saint. Vous prenez le Saint-Saint, vous amenez ça,
tout le monde commence à mettre la main, manger. Non. On doit d'abord avoir le message. Le message qui accompagne cette ère, c'est un saint. Le message qui active le Saint-Esprit. Donc, celui qui va aller dans cette table, il va savoir pourquoi je vais aller dans cette table. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose pour mettre, on commence à manger, mettre la main n'importe quoi. Le péché et le tout, comment ça arrive? Mais la main est dans. Non. Le message d'abord. Là, le message de l'évangile, le discours commence à rentrer, commence à parler des choses mystère. Juste en train de dire, il a fait comprendre que il y a parmi vous, il y a quelqu'un au milieu de nous qui va me livrer. Rappelle que tout le temps qu'il a dit des paroles, ils sont en train de manger. Donc, le message, il commence à dire des choses sur mystère. Mais après, il a dit, c'est bien que la personne va vite, aller faire ta mission. Va vite. Parce que c'est déjà l'air. Donc, c'est pas la peine pour perdre le temps. Va vite. Alléluia. Et la Bible nous a fait comprendre dans le livre de Jean. Il y a Jean, le petit Jean, qui reste toujours dans le corps de Jésus-Christ, qui a demandé, tout le monde voulait savoir, c'est qui, maître c'est qui. Ah, on a dit de manger comme ça, on a dit de faire le Pâques, mais tu dis encore des choses mystères, tu dis des choses mystères. Comment on va marcher avec toi depuis 3 ans, 6 mois, et toujours, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas bien au milieu de nous et tu n'as rien dit, tu ne dis rien. Hein? Les gens ne connaissent rien. Il a seulement parlé à Jean qui. Voilà, c'est lui là, c'est. Ne dis pas les gens. C'est toi, c'est lui, c'est Judas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, c'est. Que Dieu nous aide. Donc, c'est comme ça. Tout ça, on a déjà expliqué. Mais pour couper notre message, pour couper les choses que l'on veut faire sur sa première. Donc c'est comme ça que M. Judas s'est affaché. C'est pour cela que ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à fâcher dans l'église quand le message les frappe. Alléluia. Dans l'église de Jésus-Christ. Et bien quand il a lancé la vérité, la personne a pris son sac. Pim. Alléluia. Parce que la vérité fait mal. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, si ça vient maintenant, si quelqu'un commence à dire pourquoi il est parti, pourquoi fâcher, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça commence depuis Jésus-Christ. Et peut-être qu'à l'invité, il vient, bam! Il a changé son visage. Il commence à dire c'est moi qui parle. Donc, c'est moi qui parle. C'est moi, ok, tu vas voir. Son sac. Ok, c'est comme ça. Le message. Le message toujours, message très important pour l'église avant d'aller dans le temple de Dieu. Donc il a continué, ça c'est. Maintenant, les gens n'ont pas compris jusqu'à le temps que, quand le temps arrivait, il a dit que le temps était arrivé. Il a choisi toi, parmi les gens, il va m'accompagner, on va aller quelque part. Il a commencé des prières. Ça aussi, c'est une révélation. Ça, c'est le temps qu'il a dû apprendre comment veiller. Veillez-vous avant le problème. Veillez-vous attaque le problème. Il a amené son disciple pour leur apprendre comment prier et veiller. Ce n'est pas tout le temps on dormir. Non. Trop dormir, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Trop dormir, je vous dis. Et le chrétien qui dort, c'est le chrétien comme le premier Adam. Alléluia. Amen. Premier Adam, il a perdu son royaume à cause de trop dormir. Le chrétien qui dit que de ce qu'il a, il a déjà fait tout pour nous, c'est le chrétien comme premier Adam. Le chrétien que de ce qu'il a venu chercher, ils sont les soldats, les militaires. Alléluia. Donc, ils sont en train de dormir. Matthieu 26, 41, on va trouver ça là-bas. Ils sont en train de dormir.
Si on commence à partir de 30 ans, on va trouver toute cette histoire. Jésus-Christ, il vient toujours, il dit, ah, faut pas vous dormir. Chrétien aujourd'hui, vous dormez, votre ennemi est en train d'arranger pour vous détruire, pour vous tuer, et vous êtes en train de dormir. C'est pas seulement dormir, ronfler aussi. C'est ça, ronfler. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir le démon dormir comme ça, jamais. Les ennemis ne dorment pas comme ça. Les ennemis ne dorment pas comme ça. C'est nous les chrétiens qui dorment toujours comme ça. Que Dieu nous ait donné de Jésus-Christ. Le temps de lever le Saint-Esprit même, c'est pour ça que le message c'est le Pâques et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même, il va venir toucher la personne, sur la personne. Voilà les ennemis en train de rentrer dans ta maison. Voilà les ennemis à côté de ton lit. Voilà les ennemis. Au lieu de réveiller, il change toujours le. Comment dire? Oui, le sujet. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ils sont en train de dormir. L'Esprit est venu, première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est une révélation. Le Saint-Esprit va venir cogner la porte des personnes, attaque la personne, réveille première fois, réveille troisième fois, la personne ne veut pas réveiller, il laisse la personne partir. Maintenant, les ennemis, ils viennent, ils vont maintenant planter toute l'aile, ça qu'ils voulaient planter dans la vie de la personne. Et puis, quand la personne va réveiller, tout ça qu'ils ont planté va commencer à manifester. Alléluia. Que Dieu nous délivre dans le nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ l'a fait comprendre. Maintenant, le temps qu'ils ont pris Jésus-Christ, maintenant, allez, crucifier. Il y a une révélation aussi là-bas. Le temps qu'ils sont venus maintenant prendre Jésus-Christ au milieu de lui, c'est le temps que Pierre il a sorti maintenant l'épée. Il coupe maintenant la tête. C'est ça qu'on a dit de faire. Le temps qu'on a dit de prier, tu ne peux pas prier. C'est maintenant qu'il voulait encore ajouter le problème dans la vie de Jésus-Christ. Si tu coupes la tête de quelqu'un maintenant, la police va lui prendre maintenant. Et on l'a dit accusé pour rien faire. Maintenant, on va dire qu'il coupe encore la tête de quelqu'un. De... Non, non. C'est déjà trop tard. Ce n'est pas le temps de couper la tête. La tête que tu dois couper, c'est spirituel. Ce n'est pas avec c'est pas physique. C'est pour ça qu'il a dit le combat qu'on fait, c'est le combat spirituel. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais c'est contre la force des ténèbres. Le force spirituelle. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre. On doit réveiller. On doit réveiller. Que Dieu nous baptise avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dort pas. Que nous, on reste toujours vigilants. Amen. Amen. Donc, c'est le temps qu'on est accoustumé maintenant que l'air sur. Ah, on a fait de manger avec le monsieur là. Donc, tout ça que le monsieur là a dit, nous a fait parler. Où qu'il le pas. Donc, les connaissances maintenant, elle a retourné dans le livre de Exode 12. On va aller là-bas. Exode 12. C'est là que les yeux il a ouvert. Nous sommes maintenant. Elle connaît tout ça que Jésus avait de parler. Et le Pâques qu'on a fait de fêter là, ah, c'est pas comme ça. C'est pas la vie d'animal. C'est humain, c'est quelqu'un. Qui est le Pâques là, qu'on a fait de faire, oh, ils sont maintenant voir que nous sommes très religieux. On doit quitter dans l'affaire des religieux. Rentrer dans la révélation. Alléluia. Dans la révélation, quitter dans l'affaire de théologie, philosophie et rentrer dans la Bible, la Bible, la Bible, la vérité dans la Bible, la révélation dans la Bible. Exode 12. Alléluia. On lit verse 21 d'abord. Exode 12. Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. En français. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour votre famille et immolez la Pâque. Alléluia. Maintenant, si on commence par verse 1, on va voir, on peut lire verse 1, on va dire verse 1, 2, 3. Ok.
Continuons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Okay. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Continue. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec un plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Amen. Ça, c'est le temps que Dieu a fait expliquer, les explique comment le pape, il a fait expliquer tout ce qui va passer. C'est par révélation. Il a fait expliquer tout. Alléluia. Maintenant, quand il est arrivé le 20, il a dit, you shall eat nothing living in all your habitation shall you eat on living bread. Alléluia. On living, si vous rappelez, on a là où on a dit 1 Corinthiens 5, 7. On living, je vous dis, on living, c'est en français s'il vous plaît. Lis-moi, je vais y apprendre ça en français. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Okay. Vous mangerez du pain sans levain. Alléluia. Levain, c'est péché. Alléluia. Levain, c'est une semence qu'elles sont utilisées pour faire le farine. Le petit. Pour faire le pain. Oui, c'est ça. Donc, il a dit d'utiliser ça ici. Pour nous expliquer que ça, c'est le péché. Parce que le temps qu'ils sont dans l'Égypte, rappelle que je vous dis, Égypte, 7 jours, maintenant, c'est notre Égypte. Le monde que nous sommes aujourd'hui, c'est notre Égypte. Égypte, il a apporté la contamination. Le monde contaminé toute la loi et le commandement de Dieu. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu commencent à vivre n'importe quoi. Vivent n'importe comment. Ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais le temps que Dieu voulait maintenant faire son pied pour sortir dans cette contamination, il a dit, ouais, je vais maintenant établir le Pâque. Et quand le Pâque là, ça, vous commencez ça, vous ne pouvez pas maintenant marcher n'importe quoi, vivre n'importe quoi. Parce que le Pâque, là, il va pousser et éliminer toutes les choses que vous avez déjà pris depuis que vous êtes en Égypte. Vous ne pouvez pas jamais continuer de vivre dans le péché. Ça veut dire qu'il nous a dit que vous qui sont maintenant sauvés par Jésus-Christ, vous ne devez pas continuer de vivre dans le péché. Comme 1 Corinthiens 5, 7 là, il nous a dit. Vous devez pousser votre vie et sortir dans tout ce qui nous contamine. Alléluia. Parce que maintenant, on a déjà le sang et la chair de le Pâque et Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Il n'aimait pas toute chose qui n'est pas bien. Il n'aimait pas. Alléluia. Donc, les disciples de Jésus-Christ se sont rappelés maintenant que voici, c'est le Messie-là qui est le Pâque. Les yeux sont ouverts. Il y a quelque chose qui a passé. Si on lit le verset 8 et Exode 12. Il a dit, and they shall eat the flesh in the night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitter herbs, they shall eat it. En français, s'il vous plaît, dites-moi ça. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Des herbes amères. La révélation va venir là pour les gens qui ne connaissent pas la Bible. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il a dit, and they shall eat the flesh in the night. Alléluia.
C'est pour cela que Jésus-Christ, c'était le soir. C'est écrit là aussi. C'est écrit là. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est le soir. Normalement, c'est parce que c'est là. Normalement, le Saint-Saint s'est mangé le soir. Alléluia. C'est le soir. D'autant que le soleil est en train de descendre. Mais si là, si on dit les gens viennent le soir avoir comme ça, les gens vont commencer de souplir, 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 souplir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne dans tous les rêves. C'est moi au Nigeria, après le coup de contrat le matin, tout le monde part. Le soir, tout le monde revient pour Saint-Saint. C'est là, c'est trop de complications. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Donc, c'est le soir. Et la Bible, il a dit ici, rose with fire. Rosé avec un feu. Ça, c'est là que le Saint-Esprit l'a béni. Alléluia. Ça, c'est là que le Saint-Esprit l'a béni. Explication. Dieu, c'est pas tout le fait par les mains. La parole de Dieu se complète. Rappelle que Dieu l'a dit quoi? Matthieu, Luc. Luc 3, à partir de 14. Il a dit quoi? Le 16. Jean le baptiste, il a dit, voici lui, c'est lui qui va vous baptiser avec le feu du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous baptiser. Donc, le baptême de ce feu du Saint-Esprit, c'est ça qui a fait le parler là. Vous voir, manger ça, vous ne mangez pas la chair, la chair de Jésus. Vous ne mangez pas ça sans rôder par le feu. Feu là, c'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est lui qui va nous baptiser. Il n'y a pas un pasteur qui donne quelqu'un le feu de Saint-Esprit. Il n'y a pas un pasteur qui va te dire, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Tu as le bien reçu, tu as le bien reçu. C'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu reçois, c'est l'esprit de votre pasteur. Alléluia. Il vous a fait donner son esprit. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui baptise. Avant qu'il nous baptise avec ça, il va voir ta vie si c'est correct. On va voir les choses, on va voir les choses. Donc, la Bible vous a fait comprendre que il a parlé de fait du rôti et il a parlé aussi de le pain. C'est sa chair. Alléluia. En with bitter, on regarde maintenant la dernière phrase. Avec des âmes amères. Alléluia. Âmes amères. C'est le M. Alléluia. C'est le sang qui s'appelle, rappelez-vous que ça qui a sorti dans son cœur, c'est l'eau avec le sang. Et rappelez-vous, dans le livre de Jean 6, il a dit, si vous n'êtes pas boire mon sang et mange ma chair, vous ne soupez pas avec moi. La personne n'a pas la vie. Le sang, c'est amer. Le message de Dieu, c'est sucré et amer. Vous ne pouvez pas manger Dieu sans amer qui est dedans. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que le Saint-Saint là, le Pape là, Jésus-Christ là, il devait vous donner là. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ sans manger la mer qui est dedans. Alléluia. Personne ne rappelle que Jésus-Christ c'est le Pape. Donc, il a donné sa vie et maintenant c'est la chair et son sang qui en marche maintenant. Personne ne peut pas suivre Jésus-Christ sans la mer qui est dedans. Et aujourd'hui, le message qu'on a fait le soir aujourd'hui, c'est le message sucré, 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 sucré. Oui, amen. Dites-vous de demander ça. Ça, c'est la révélation. Et Dieu vous a dit, on a maintenant donc à Saint-Testament, je vous ai expliqué ce qui est dedans. Oui, amen, qui est dedans. Nous qui avons dit, Dieu t'aime, 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 Dieu t'aime. Même les gens qui envoient le message, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dis les enfants de Dieu, amen, qui est dans cet amour. Oui, Dieu nous aime, mais il y a amen qui donne. Il y a amen qui donne. On doit recevoir cet amen. Ne suis pas Dieu pour seulement le progrès, la joie, la bonheur et tout. Non, non. Amen, il y a l'amen qui donne. Il y a le message que Judas a reçu, il a pris son sang et sa partie. Alléluia. Il y a le message que dans Jean 6, quand ils sont sous-jantes avec des Suisses, tout sous-jantes avec des Suisses, imitent quand il a lancé un message. Ils sont tous partis, il reste seulement le 10. C'est amer, dis-donc. Pas tout le monde qui peut manger des choses amères.
C'est pas tout le monde qui veut la vérité. C'est pas tout le monde qui voulait corriger son erreur dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas tout le monde. Il refuse. Tout le monde voulait sous Jésus-Christ comme il veut. Tout le monde voulait marcher avec Jésus-Christ, avec leur vie polluée et contaminée. C'est pour cela que 1 Corinthiens 5 là, qu'on a pris, il a dit, poussez-vous, on va lire là-bas encore, 1 Corinthiens, quelqu'un aide-moi à lire ça. 1 Corinthiens 5, 7, il a dit quoi? Il dit, poussez-vous, la sainte vie, mauvaise vie. Poussez-vous comment vous êtes avant, vous ne devez pas être comme ça. Il y a les autres qui disent que pour suivre Dieu, c'est à l'intérêt. Dieu regarde à l'intérêt. Donc, le physique, ça ne fait rien. Donc, ça veut dire que je peux utiliser le physique là pour faire n'importe quoi, mais Dieu regarde à l'intérêt. Non. Dieu n'est pas. Dieu est intéressé de tout. Il a dit, je vous ai créé à mon image. Image de Dieu. Image de Dieu. C'est ça que Dieu voulait voir. Alléluia. Il a dit quoi là-bas? Il dit, Faites disparaître le vieux levain. Mauvaise caractère, attitude. Comment on connaît les soucis, comment on a l'habitude à Paris, déjà on nous connaît. L'habillement qu'on a dans notre wardrobe. C'est ça. Dans l'Europe, oui. Fais partie de tout. Immédiatement, quand on a sauté de suite, change mon. Je dois changer mon habillement. Je dois changer tout. Je ne dois pas continuer avec la sainte vie, avec le sain comportement. Je dois changer tout. Comment je coiffe, Rasta, je mets le Rasta. Tout. Je dois tout changer. Il ne peut pas dire que tout soit sous Jésus-Christ, tout continue avec tout cela. Tout n'est pas encore reparti. La personne n'est pas encore reparti. À Saint-Vie, il a dit, son peuple, à Exode 12, que tout, le temps que vous va manger le Pâques là, le temps que je vais établir le Pâques là, le temps que je vais présenter mon fils à vous, vous ne devez pas continuer. Votre vie ancienne. Vous ne devez pas. La vie que vous avez reçue de l'Égypte, la contamination que l'Égypte a déjà mis dans votre vie, immédiatement vous allez rentrer dans cette alliance avec mon fils. Vous devez éliminer ça complètement. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. On va voir cette mystère. Continue de finir ça, maman. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Tu voulais servir Dieu avec toute la vie et tout. Tu vas au club avant. Tu as cette excuse. Tu continues d'aller au club encore. Ah, la personne est trompée. Il est trompé. Tu bois alcool. Tu as cette excuse. Tu continues de boire alcool. Tu as trompé. Tu fumes les cigarettes, tu as sorti des suisses, tu continues dans le cigarette, tu as trompé. Fornication, tu as sorti des suisses, tu continues dans la fornication, trompé. Immoralité, tu as sorti des suisses, tu continues encore. C'est faux. Tu as été trompé toi-même. La personne a été trompée lui-même. Alléluia. Là, il a été trompé lui-même. Encore une fois, quel genre d'esprit que la personne a reçu, il dit que c'est l'esprit. De Saint-Esprit. On va voir ça. Très importante, on doit connaître. C'est lui qui voulait sous Jésus et rentrer dans le royaume de Dieu. Tu dois obtenir niveau. Les ennemis, le compagnon que tu trouves toi-même, association que tu trouves toi-même, tout le temps, tu dis à Saint-Esprit, toujours, tu es toujours dans cette association. Quand tu veux, on t'appelle à la station. Quand tu vas aller, tu vas habiller comme lui. Tu vas mettre ta robe comme lui. Tu n'es pas accepté Jésus-Christ. Ça, c'est le chrétien caméléon. Il dit,
tu dois devenir nouveau pour participer, pour rentrer dans le pacte avec Jésus-Christ. Niveau. Complète niveau. À l'intérieur et extérieur. Niveau. Que Dieu le fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le fortifie. Et donc, quand nous sommes au niveau, là, la nourriture qu'il prépare, la nourriture de Jésus-Christ, la nourriture de Jésus, c'est sucré, amen. C'est pour ça qu'il nous a dit ça dans les autres. C'est pas seulement pour vous. Vous vous rappelez qu'il a dit, les hommes, and then shall eat the flesh in the night. Roast with fire. Vous savez que la viande rôtie, avec un petit de sel et tout le manger, tout ce c'est sucré. Les gens aiment ça, je veux dire, le bac, comme il y a un peu le soleil, il y a des gens qui sont dehors, en train de faire, barbecue, et tout ça là. Alléluia. Alléluia. Quand il a dit ça, c'est sucré. Tout le monde, il va dire, ah, ça c'est bon, la vie, oh, ça c'est bien. Mais quand il a dit, avec amen, tout le monde va changer. Amen, il va garder. La vie là, comment, parce que les ordinateurs c'est toujours la vie là. Il a déjà dit tout ce qui est bon, mais là il en met encore amen dedans. Comment on va manger ça avec un amen? Alléluia. C'est ça qui a été passé aujourd'hui. Quand les gens reçoivent le message d'avouté, ils se fâchent. Ils nous attaquent. Comme ils ont envie d'attaquer dans cette vie, ils n'ont pas vu la vie. Depuis qu'ils vont partout d'été en Allemagne, en Suisse. En Espagne. Et même à Paris, tu es là-bas avant de venir ici. Tu n'as pas vu une vie très très mauvaise comme ça, contre Dieu. Que tu délivres cette vie, hein? Les gens qui nous attaquent, c'est les gens qui ont la Bible dans la main. Les gens qui prophétisent, les gens qui réclament que Dieu m'a appelé avant Jésus-Christ. Avant qu'il ait envoyé Jésus-Christ, il m'a déjà appelé. Donc je connais la Bible plus que Jésus-Christ. C'est les gens qui nous ont envie d'attaquer. Le païen même ne attaque pas. Le païen reçoit le message. Il va dire merci. Priez pour moi que Dieu m'aide de changer. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie. Donc c'est ça qui a été passé. Répentez-vous. On ne peut pas manger. Pas de Jésus. Mange avec notre vie. Ancien, on dit que Jésus-Christ, il est avec nous. Que Dieu nous libère. C'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, il a dit quelque chose dans cette Corinthien encore. Il a parlé des sacrifices, non? Il a dit quoi? Puisque vous êtes sans le nom, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes dans le péché. Nous sommes pourris. Nous sommes rejetés. Condamnés, capturés, nous sommes complètement non rien. Quand Dieu l'a amené pour sacrifier. Rappelez aussi, on doit reconnaître aussi que c'est nous aussi qui a immolé Jésus-Christ. Immolé Jésus-Christ. C'est nous. Parce que c'est notre péché qu'il a venu pour éliminer. Donc à cause de ça, c'est pour cela que Dieu l'a dit, Moïse, dis mon peuple, que chaque famille doit avoir un amour. Alléluia. Donc c'est ça qu'il dit que tout le monde, c'est nous qui avons moulé Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que celui qui n'est pas accepté Jésus se réparte et retourne et laisse la vie qu'on est en train de faire là, qu'on sort de rentrer dans le niveau qui avait Jésus-Christ. Donc là sera dû avec la personne parce que la souffrance que Jésus a fait pour sacrifier sa vie, pour pleurer sous le la croix Golgotha. Donc on a lu dans Jean 16, dans le livre de Jean. Donc il a souffri, pleuré. Donc là, Dieu ne pitié pas. Il va trouver lui-même comme la révélation que maman il a dit, que Dieu l'a donné. Il est en train de prendre les gens, jette comme ça.
jette comme ça. Plus que 80 000 personnes, il y avait 4 personnes qui ont qualifié de rentrer dans son royaume. 4 seulement. 4. C'est pour ça qu'il est vous dit que c'est pas contre tout qui compte. Je suis chrétien, c'est pas ça qui compte. Je parle la langue, je prêche, je suis pasteur. Beaucoup de pasteurs, il n'y a même pas là-bas. En fait, c'est pas ça qui compte. C'est tous les gens qui font la volonté, qui sont nés niveau. C'est là qu'on dit nés niveau. Les gens ne connaissent pas ça qu'on appelle nés de niveau. Les gens ne connaissent pas. Ils pensent que nés de niveau, c'est confesser Jésus. Il commence à prêcher. Il se dit maintenant, pasteur, il va à l'école, c'est maintenant, il fait ça. C'est pas ça. Nez de niveau, tu es en train de regarder le film. C'est toi maintenant, tu vas avancer. Pour naître avec l'eau, la parole. Purifier. Pousse la parole, il va purifier. Si tu écoutes la parole de toi, la vérité, tu ne fâches pas. Ça veut dire que tu n'es pas encore le niveau. La parole de Dieu, c'est un secret, amen. C'est ça qu'on a vu ici. Après quand il s'est imaginé, il a introduit la ce qui est amen, dit-on. Amen. Amen, c'est les choses qu'on ne voulait pas écouter. On ne voulait pas écouter. Les choses qu'on va écouter, on va dire, ah moi, comment je vais faire ça? Comment je vais arriver à faire ça? Comment je vais faire ça? C'est ce qui est amen. Si la personne c'est vraiment un enfant de Dieu, va assis, réfléchis-toi. Parce que la vie. Nous tous les fois, il a parlé de poussez-vous l'ancien, revenez-vous niveau. Pourquoi tu ne veux pas revenir niveau? Quelqu'un nous a dit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il a parlé des sacrifices. Le sacrifice là, comment le sacrifice, on trouve le sacrifice? Jésus était sacrifié. Et je vous ai déjà expliqué cette révélation dans le livre de Lévitique 23. On l'a sacrifié. On va voir ça. Sacrifié. Et 3 jours dans le tombeau. Et comme les gens qui ne connaissent pas comment nous. Les autres disent que c'est sabbat. Le coup de l'église doit être sabbat. Ils sont dans les rêves. Ils sont dans les religieux. Il n'y a pas la révélation. Alléluia. 3 jours et réveillé. Le troisième jour, le quatrième jour, c'est le jour qu'il a manifesté. Il a sorti dans le tombeau. Alléluia. Il a sorti dans le tombeau. C'est comme ça que le dimanche, par révélation. Le culte maintenant, il commence à dérouler le dimanche. Alléluia. Ça se trouve dans le Lévitique 23 à partir de 4. On lit ça jusqu'à 20. Et la confirmation encore pour vous. Vous voyez que la Bible, c'est pas. Tout ça qui est dans le Saint-Testament, c'est au Nouveau Testament. Alléluia. La confirmation, encore ce qui est écrit dans le Lévitique 23, c'est confirmé à Matthieu 28, verset 1 à 2. C'est écrit là-bas. Si vous avez écrit tout ça, déjà, vous avez dit là, on dit ça, c'est étude la Bible, connaît la Bible. Quelqu'un ne doit pas. Je vous ai dit, si quelqu'un vient dans MFM, toi, moi, ta vie n'est pas changée. Spirituellement, d'abord, la première chose que Dieu change dans la vie de quelqu'un, c'est spirituel. Si tu viens de Dieu, Dieu commence d'abord de donner la progrès, la prospérité. Fais attention de ta vie. Ça, c'est pas Dieu qui a fait ça. Même si ce livre, il a fait ça seulement pour tester la personne. Alléluia. Pour tester la personne. Le vrai notre Dieu, si nous sommes vraiment ses enfants, la première chose qu'il fait d'abord quand tu viens à lui, c'est pour toucher ta vie spirituelle. Parce qu'il veut que tu, que ton Dieu ouvre d'abord, qu'on commence à lui connaître d'abord.
C'est pour ça que dans 3 mois, si la vie des personnes n'est pas changée spirituellement, et 6 mois, elle n'est pas changée spirituellement, dans MFM, on a besoin de la personne. Prends ton sac et parti. Ce n'est pas un problème. Parce que cette église, c'est l'église qui a établi MFM pour chercher ses enfants, ouvre les yeux, ou les dîner, prépare pour aller pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette différence, c'est moi, si le pasteur qui est là-bas, il n'est pas le pasteur qui connaît la vérité. Il y en a beaucoup de tous ces pasteurs dans MFM. Que Dieu nous aide dans Jésus-Christ. Le vrai pasteur appelle par Dieu. Le message qu'il nous a donné, c'est un. Le message là, c'est prépare mon peuple pour l'enlèvement. Prépare mon peuple pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Dis-le la vérité, celui qui veut accepter, accepte. Il a dit ça clairement dans Ézéchiel 2. Dis-le la vérité. Il dit le message là, c'est pour la maison d'Israël. C'est pour les enfants de Dieu. Il dit parmi mes enfants aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Mais n'inquiète pas, il y a des gens qui vont accepter. Va aller dire la vérité. Dis-le la vérité. Le message que Dieu te donne là, c'est secret et amen. Dis-le la vérité. Celui qui va sauver, il va sauver. C'est ça. Très important. Tu dois connaître toutes ces choses-là. Je vous dis, l'hérétique de toi, vous pouvez ce sacrifice. De toi, vous pouvez. Et la confirmation de ce sacrifice, Matthieu 28, Matthieu 25, 22, la même chose, vous la trouvez. Comment il a dit ça? Et après 3 jours, le prêtre, il va élever cette l'anon. Le chef, l'anon. Il va élever ça. Alléluia. C'est le même. Et Matthieu 28, il a confirmé ça. Jésus-Christ était aussi, il a ressuscité. Quand les gens qui sont religieux sont en train d'attendre le sabbat, les pharisiens étaient en train d'attendre le sabbat, la nuit, ils sont en train d'attendre, faire le fête de sabbat. Rappelez que tout le disciple de Jésus, malgré tout le message qu'ils ont dit là, attendez, Jésus. Ils sont tous cachés dans la maison, en train de faire leur fête de sabbat là-bas. Et il n'y a que les trois femmes. C'est le seul qu'on a dit que Dieu délivre les femmes. Les femmes, elles sont sages, des fois, très sages dans les choses spirituelles. Mais c'est le moment que le diable, il est habitué à attaquer avec l'affaire de Sodome et Gomorra, l'habillement et tout ça. Alléluia. La femme, c'est la femme qui sont très sages, qui ont reçu cette révélation, qui sont réveillées et disent non, notre Seigneur nous a dit, après 3 jours, il va ressusciter. On va aller voir quand même. Et les autres, vous pouvez sortir, on va vous tuer. Ça, c'est les hommes, les hommes. On va vous tuer. Vous, les femmes, Marie, allons-y. Même si on va nous tuer, on nous tue. Ils sont déjà tués, nous tu mets. Qu'est-ce que nous on attend encore? Allons-y, madame, viens, on va aller. Ils sont partis. Ils ont trouvé cette quand ils ont vu cette chose. Ils sont revenus. Pour venir dire les gens religieux. Comme je vous ai annoncé, le collègue, corrigez votre renseignement. L'église, le pasteur, va corriger, tu as déjà fait l'erreur. Si tu n'es pas encore fait le pacte avec le diable. Parce que les gens qui sont déjà fait le pacte avec le diable, ne peuvent pas corriger. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais si tu ne sais pas, va, réarranger, tu es dans l'erreur. Ne veux pas. Ce n'est pas la bruit qui compte. Dis le peuple de Dieu la vérité. Parce que le temps viendra, on est en train d'approcher. C'est bien, je vous dis, c'est bien que quelqu'un il me juge maintenant pour me corriger. C'est bien que je juge maintenant et je reçois ma correction. Si j'attends le jugement qui vient, il n'y a pas la correction, c'est déjà terminé. C'est bien que quelqu'un me juge maintenant et qu'il va aller regarder la Bible et corriger moi-même avant que cet jugement il vienne. Les gens me disent que ne juge pas. Ça, c'est une erreur. C'est pour cacher notre péché. C'est pour continuer à vivre dans le péché. Dis-le la vérité. Va juger toi-même. La Bible dit examine toi-même. Juger toi-même si tu es dans la vérité. Si vraiment tu as le Saint-Esprit. La Bible nous a fait comprendre que, après ça, maintenant, quelque chose s'est passé. Là, on a dit dans le livre de
On a pris notre confession. Job. Ça, c'est l'affaire de Pâques. Le Pâques dont on parle aujourd'hui, comment, si on nous pose la question, Jésus-Christ, c'est le Pâques. Alléluia. Et celui qui veut, lui veut marcher avec lui, pousse toi-même, être pur. Laissez ta vie pourrie, capturée, détruire, rejeter avant qu'on l'ait sacrifié pour toi. Laisse cette vie. Reviens maintenant à niveau. Laisse la fin du monde. On va voir ça que le Saint-Esprit nous a expliqué. Saint-Esprit nous a. La Bible nous a dit dans le livre de Jean, là où on a pris notre test. Jean 19. Tout était passé. Et le 30 maintenant, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous allons voir. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Uh-huh. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Il a rendu l'esprit. Alléluia. Il a rendu l'esprit. Et il a rendu cet esprit. Il me dit qu'il a rendu cet esprit. Parce que le méchant, rappelle que tout ça qui a été passé dans l'Ancien Testament, même le Genèse 1, la Bible dit que l'esprit de Dieu a été déroulé. Alléluia. C'est cet esprit qui a été opéré. Mais Dieu a bien mis sur son plan que le temps que je veux envoyer mon fils maintenant qui va apparaître pour lui montrer que c'est moi le Pâque. Donc, après sa crucifixion, il y a quelque chose que Dieu lui-même a programmé pour faire avec son esprit. Il a, la Bible dit qu'il a rendu cet esprit pour dire, papa, il a dit, c'est fini. Donc, ça veut dire que, papa, j'ai fini la mission que tu m'as envoyé de faire. Prends ton esprit. Alléluia. La Père qui nous a dit, moi, avec mon papa, et le Saint-Esprit, nous sommes un. Donc, il a dit, papa, prends mon esprit. Il a rendu l'esprit là. Et, Galates 4, verset 6. On va lire là-bas, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le même esprit, l'esprit qu'il a rendu là, papa, il a pris ça et cherché tout. La Père qui nous a dit, je suis venu chercher tout ce qui est perdu dans la maison de mon père. C'est pas tout le monde, c'est pas n'importe qui. Tout ce qui est perdu dans la maison de son père, parce que c'est son papa seulement qui connaît toutes les gens qu'il a déjà écrit leur nom avant la fondation du monde, que les gens là soient, il va sauver. Donc il a pris cet esprit, il a déposé dans toute cette chambre. C'est cela que Galates 4, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Galates 4, verset 6, il a pris cet esprit. Il dit, c'est pour cela qu'on peut dire Abba, Père. Parce que l'esprit de Jésus-Christ se mena à nous. On ne suit pas maintenant perdu. On ne suit pas maintenant rejeté, capturé dans le péché. Et tout, dans toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour cela qu'il a pris cet esprit déposé dans tout son vrai enfant. Qu'on peut lui maintenant appeler Papa, Seigneur. Et lui aussi, il répond. Et Jésus là. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean 10 aussi, il dit, avant de Jean 10, il dit, mes brebis écoute ma voix. Et Dieu écoute, attend aussi les voix. Parce que tout ce qui appartient de Dieu, c'est tous les gens qui vont écouter la voix de Dieu. Lot, il partait de Dieu, c'est pour cela que Lot il a attendu cette voix. Lot, sors dans le Sodome et Gomorrah. Sortis dans ce pays. Je vais aller détruire ce pays. Je viens détruire ce pays. Lot, sors avec tout ça qui te partient. Et c'est parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il a attendu cette voix et puis il a fui. La fille. Et sa femme. Sa femme, ce qui a été passé aujourd'hui, la femme, rappelle, et vous dites, il y a trois femmes dans la Bible. Femme naturelle, femme de Jésus et le diable, avec tout son ministère, c'est la troisième femme. La femme, toujours,
la femme là, là-bas, signifie les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. La femme là, la femme de Lot, je suis allé ma fille 17. Rappelez-vous la femme de Lot. Il parle de rappelez-vous, vous qui dites que vous êtes chrétien, rappelez-vous. Vous ne pouvez pas laisser l'affaire de morte. Rappelez-vous. La femme de Lot, dans le chemin d'enlèvement, dans le chemin d'aller dans le rang de Dieu, il a retourné dans le monde. Qui doit nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui doit nous délivrer. Donc la Bible dit, la puissance de Christ, Galates 6. Et maintenant, dans le Jean 10, verset 16 jusqu'à 30, on va trouver là-bas. Et maintenant, il y a quelque chose que je veux nous expliquer. Je veux nous ouvrir quelque chose dans le Saint-Esprit. La Bible nous a fait comprendre que Luc 3, 15 et 16. Apôtre Jean, Jean de baptême, c'est lui qui a identifié Jésus-Christ et c'est lui qui va nous baptiser avec l'Esprit et va partir de feu. Alléluia. Et comme je vous ai expliqué, Exode 12, 8, le baptême de feu. Donc maintenant, c'est Jésus-Christ, le pacte là, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui va nous baptiser. C'est pour cela qu'il a dit Jean, dans le livre de Jean 3, verset 1, que Nicodémus, il a parlé, c'est nous les Nicodémus là aujourd'hui. Tous les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est le Nicodémus aujourd'hui. Il dit, ta salut ne doit pas arrêter dans l'affaire de nez de niveau. Ta salut doit continuer. Tu dois naître par la parole. Par la parole. C'est ça qui est lourd dedans. Mais beaucoup de mauvaises interprétations. Ils pensent que c'est pour aller naître des maçons. Alléluia. Immaçons. C'est aussi dedans. Mais tu dois naître par la parole, la parole, la parole. La parole de Dieu doit te laver. Comme Éphésiens 5, il a dit. Il va te laver. La parole de Dieu, c'est l'eau. Ça va te purifier, ça va te laver. Comme apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens 5, il a dit, tu pousses toi-même, reviens niveau. La parole de Dieu, il lave quelqu'un, il fait quelqu'un de revenir niveau. Propre. Par le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on doit aller dans l'église vivante. L'église vivante, l'église qui a la parole. L'église qui a la parole. Là où il y a la parole. Chaud. Amen. C'est pas secret. Amen. C'est ça, la parole. Et après ça, il a dit, tu vas aussi naître avec l'Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Pour entrer, c'est là où il a dit, pour entrer. La clé de aller dans le rentrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né avec le Saint-Esprit, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il y a une révélation que je vais vous montrer dans le Jean 14. Dans le livre de Jean 14. Alléluia. Je suis en train d'introduire, expliquer comment celui que le Saint-Esprit il est. Maintenant, il a dit quelque chose. Dans le livre de Jean 14, verset 17, le Saint-Esprit. Il a dit, even the spirit of the truth, whom the world cannot receive, because it sees him nothing. The world does not need it. They don't regard it. Il dit, le monde ne peut pas jamais, le spirit de la vérité. Celui qui vit encore dans le monde ne peut pas jamais recevoir le Saint-Esprit. Les gens disent qu'ils sont, ils reçoivent déjà le Saint-Esprit. On va voir. Le temps qu'il devait finir le message là, on va voir si la personne a le Saint-Esprit ou non. Alléluia. Il a dit, celui qui est dans le monde ne peut pas jamais reçoit ça. N'aide pas est il ne peut pas aussi connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les gens ont été de rester le faux Saint-Esprit en parler de choses que ne glorifient pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Saint de la vérité. Le Saint-Esprit n'est même pas là. Il n'y a pas de tâche, non. Erreur, non. Désobéissance, non. Rébellion, non. L'Esprit de la vérité. Il dit, neither knoweth him, but you know him. Mais nous, il dit, nous, vous connaissez l'Esprit là. For he dwelleth with you and shall be in you. Alléluia. Il y a deux points là. En français, s'il vous plaît, dis-moi.
Enfin, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Merci. Deux points là-bas. C'est pour ça que je vous dis, quand vous étudiez la Bible doucement pour recevoir la révélation de Saint-Esprit, il dit moi à vous et ils vivent en alléluia. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens disent qu'il a le Saint-Esprit. Il y a autre chose que quelqu'un vit avec moi et il y a autre chose aussi que quelqu'un il est en moi. Alléluia. La fin de cette suite, il va, c'est lui qui nous convertit, qui va nous faire comprendre que nous sommes le péché. Ça, c'est, il vit, il vient, il me parle, répands-toi. Il va faire ça, tu répandes. Ok. Vive à moi, il vient, il va te dire quelque chose, il va te donner la révélation, il n'y a pas de problème. Mais, tu vis dans le péché. Il va venir, il parle, il ne parle pas trop. Il va venir te dire, ah, ça c'est pas bon. Avec la voix, doucement, il ne parle pas, il ne veut pas être guidé comme le diable. C'est la voix du diable qui parle, va, laisse-le, c'est voilà, il commence à nous condamner. C'est le diable qui parle. Le Saint-Esprit, il va toujours, le temps que tu as fait, il ne parle pas, il va aller, rester tranquille. Et quand il vient, il va dire, non, c'est pas comme ça. Va faire comme lui. Va faire. Lis là-bas bien. Il va dire ça. Il va aussi mal traduire là-bas. Laisse. Il vient encore. Il est dans la révélation. Il n'y a pas de problème. La révélation ne peut pas sauver quelqu'un. Ne peut pas. La révélation, parce que tu fais le miracle, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu n'obéis pas la voix de Saint-Esprit. Maintenant, le temps que tu vas confirmer, tu l'as dit. Il a dit. Il est avec nous. Hein? Mais pour maintenant, pour rentrer dans ta vie, pour vous rester là-bas maintenant, c'est le temps que nous, on commence à écouter sa voix. Commence à faire tout ce qu'il nous a dit de faire. Commence à obéir sa voix. Maintenant, le Père, Dieu lui-même, va voir que oui, il est correct. Maintenant, c'est le temps que Dieu doit dire. Donc, je veux maintenant rester avec lui. Alléluia. Ça, c'est comme ça. C'est parce que les gens prennent et font comme n'importe quoi. Et Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Il parle la langue, il parle ça. On va, par la grâce de Dieu, on va toucher ça un peu. Le Saint-Esprit, il dit, vive avec vous. Il peut vivre, il peut venir. Il va venir. Il vous dit quelque chose. Ce Saint-Esprit, il a déjà, il va amener quelqu'un, il va prendre quelqu'un. Amen. Viens ici à MFM. Viens. Il va amener la personne ici, il va le laisser. La Bible dit c'est l'esprit de la vérité. Il a dit des choses, il a dit dans le Jean 6, il dit, il va nous conduire dans toute la vérité. Il a déjà conduit la personne là qu'il va recevoir la vérité. Mais il laisse la personne, il reste maintenant tranquille pour voir l'action de cette personne. Peut-être qu'il va prendre son bagage et partir. Il va continuer de dire, allez reçoit la vérité pour sauver. Ok. Il a déjà fait sa mission. Il ne peut pas dire, il ne peut pas rentrer dans la vie de cette personne. Il ne peut pas, parce que la personne vit dans le désobéissance. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est même pas la tâche. Il va toujours venir dire à la personne, retournez dans la parole. Retournez. Ça ne veut pas dire que Saint-Esprit vive en personne. Pour rentrer dans la vie des personnes, ta vie doit revenir pour sanctifier, purifier. Et c'est maintenant, Dieu lui-même, Jésus lui-même, il va te baptiser avec ça. Et quand tu reçois ça, tu vas reçoit la clé pour rentrer dans le royaume. C'est la clé. Mais le temps que tu vis avec toi, tu n'es pas connaissant la clé. La personne ne va pas connaître la clé. C'est pour ça qu'on fait très attention. C'est pour ça que cette Saint-Saint, quand on va manger, ça va rentrer dans notre vie. On va recevoir cette clé. On va recevoir le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas bon pour vivre. Vivre seulement avec nous, non.
Et quand il vient, quand il est maintenant avec quelqu'un, c'est ça que Jésus a dit, qu'il va te conduire dans toute la vérité. Il dit, maintenant, c'est le temps qu'il va dire, il va, quand il parle, on va savoir que ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Mon Père est là. Parle à moi. La personne va commencer de recevoir la révélation de sa parole. Parce que tout papa, un enfant qui répond bien, qui fait bien avec son papa il va ouvrir son cœur. S'il y a quelque chose que son papa il a caché, même il a caché pour les autres, il va appeler son enfant là, il va lui expliquer ça. Ça c'est le temps que le Saint-Esprit maintenant vit avec nous. Alléluia. Il va commencer à nous débloquer le secret. Rappelez que Jésus a dit dans Jean 16, 12. Il a dit, il y a encore beaucoup de choses que je voulais vous dire. Mais je ne veux pas vous dire ça de doigts partis que le Saint-Esprit vient. Parce que quand le Saint-Esprit vient maintenant, il dit il va nous ouvrir même ça qu'il n'est pas dit. Même ça qu'il n'est pas dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'est pas écrites dans la Bible. Là. Comme les gens que l'Esprit a pris à nous montrer les choses, la révélation, il commence à nous dire. Il y a des choses, est-ce que c'est écrit là et il y a le département des pasteurs en fait. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a été développé ça. Il y a même des choses que je regarde parce qu'il n'est pas trop de temps. Il n'est pas trop de temps. Donc il doit disparaître. Que le Saint-Esprit qui vient, qui va maintenant commencer de nous montrer les choses cachées. C'est le temps que quelqu'un il est maintenant dans sa vie pure, correcte. Le Saint-Esprit qui vient maintenant. Quand la personne attend la voix, si ce n'est pas correct, il va le dire clairement. C'est faux. La Bible, c'est pas écrit comme ça. Si vous voulez une explication, viens, je vais vous dire ça. Et dans le Seigneur, nom de Jésus-Christ. Les gens sont trompés. Quel esprit que vous avez reçu? Quel genre d'esprit? Quand on a dit appel, on a dit que c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est vif, donc il est dans ta vie, tu ne peux pas aller détruire et commencer à parler contre MFM. MFM, il t'a fait quoi? MFM, tu t'as fait quoi? Alors que tu utilises les livres. Alors que tu vends les livres. Alors que tu fais tout, tu distribues les livres. Alors que tous les pasteurs ici, plus pas les pasteurs ici, ils utilisent le livre de MFM. Mais vous utilisez le livre de MFM, vous ne souffrez pas, vous ne marchez pas dans la parole de Dieu. Le message de Dieu, c'est ça que MFM suit. C'est notre alliance. Sans contamination. Il n'y a pas de contamination dedans. On était aussi perdus dans le monde. Avant que Dieu, sa grâce soit tombée sur nous pour nous faire de retourner. Et nous sommes dans les rêves. Chrétiens aujourd'hui dans les rêves, partout, les rêves. On a dit, retournez-vous dans la vérité. Il ne veut pas. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Il dit, quel genre d'esprit que vous reçoit? Vous avez reçu quel genre d'esprit? C'est juste pas si c'est l'esprit que Dieu lui-même il a pris. La Bible dit que Jésus l'a rendu, c'est l'esprit de son papa, il a pris ça, commence à chercher ses enfants, déposer ça. Si c'est ça que vraiment on a reçu, on ne peut pas parler contre la parole de Dieu. Le temps que sont en train de critiquer et critiquer et de faire n'importe quoi contre le nom de Dieu qui parle à vérité, contre la parole de Dieu, contre l'église de Dieu, je ne sais pas que tu as fait de frapper des Suisses encore, crucifier des Suisses encore, détruire tout le travail que des Suisses a fait. Je ne sais pas que tu es antichrist. La personne, c'est ça, c'est le groupe des antichrist. Ministère, c'est pareil que la Bible dit. Vous ne savez pas que le diable il a son ministère. Quelqu'un doit travailler avec le diable pour gagner les âmes pour le diable. Quelqu'un doit travailler. Si quelqu'un n'est pas travaillé, comment le diable va gagner pour les âmes? Comment l'église va revenir l'église satanique? Comment Jésus lui-même a dit qu'ils sont synagogues sataniques? Ça, c'est la parole de notre Père. C'est pas quelqu'un qui dit ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas quelqu'un nouveau qui dit ça. Et toute la parole de Dieu, et tout, tu vas trouver tout de l'homme. Le Suisse l'a dit, tout dit. Et ils sont tombeaux blanches, à l'intérieur, pourris. C'est ça qu'on a pu les voir. C'est, tout ça, c'est le Suisse qui parle. C'est le Suisse.
On nous a dit, donnez la parole secret, 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 secret. Dis mon peuple habité. Isaïe 58, il dit, ouvre ta bouche comme une trompette. Dis la maison, il n'est pas dit tout le monde, il dit, la maison d'Israël, la maison, mon peuple, ouvre ta bouche, dis-les les péchés un par un. C'est pas pour prendre le micro, dit, vous ne pouvez pas vous pécher. Dieu, c'est Dieu de l'amour, il nous aime, vous ne pouvez pas vous pécher. Quel genre de péché, quel Dieu de l'amour? Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrah, Dieu n'aime même pas les gens qui sont là-bas. Dieu, il déteste les gens qui sont là-bas. Il veut dire que quand on vit dans la désobéissance, Dieu, l'amour de Dieu s'est complètement effacé dans notre vie. C'est facile. C'est là que les gens ne le connaissent pas. Dis-les la vérité, dis-les les péchés, dis-les de retourner dans le Seigneur. C'est très important, c'est ce qui est important dans notre vie. Retourner, parce que le temps viendra qu'il n'y a pas. On va voir l'amour, Dieu de l'amour, la guerre de l'amour. On va voir maintenant comment sa face change. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous aide. Maintenant, il a dit quelque chose encore. Dans le livre de. On va voir le livre de Romains. Romains. Romains 8, verset 15. On peut noter pour. Il dit, tout qui a l'esprit de Dieu et les enfants de Dieu. Tout ce qui a l'esprit de Dieu, si vous êtes là-bas, aide-moi à lire. Tout ce qui a l'esprit de Dieu, qui est conduit par l'esprit de Dieu. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu là c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il commence à diriger la personne dans toute la vérité. Toute la vérité. Il va. Si quelqu'un il est dans l'église du monde, c'est notre alliance ici. L'église du monde, l'église qui accepte tout. L'église du monde, c'est l'église qui est le pécheur il rentre dedans, il est à l'aise dans son péché. Ça c'est l'église du monde. Le pécheur, il rentre dedans, il est à l'aise. 3 mois, 6 mois, 1 an. Au lieu de changer, il a même augmenté son péché. Ça, c'est l'église du monde. Alléluia. Au lieu de recevoir le message qui va lui faire pleurer. Pleurer devant Dieu. Lequel brisé trouve lui-même que, il pense qu'il est dans le Seigneur, dessous perdu. Commence à réaliser sa vie. Les gens ne veulent pas. Ça, c'est tout l'église qui en a aujourd'hui, l'église du monde. L'église du monde. Les autres vont dire que l'esprit s'est dit, viens comme toi. Viens comme toi. Oui, il t'a invité. Il y a une invitation. Mais cette invitation, quand tu arrives là-bas, maintenant, tu vas trouver la condition de cette invitation. Viens comme toi. Oui. Quand tu arrives là-bas maintenant, il y en a un, le pasteur qui est là-bas maintenant, il doit maintenant dire, oui, bien arrivé, merci, que Dieu te bénisse. Il va commencer à expliquer la condition de cette invitation. Alléluia. C'est ça. C'est pas que, viens comme tu commences, tu as rentré, il n'y a rien, tout commence. Non. La mission, déjà, celui qui dirige là-bas, sa mission c'est, tu as venu comme tu as, oui, il t'a invité. C'est pour cela que tous les gens qu'il a appelés, il dit tout ça que Dieu a appelé, Dieu les prépare. Et quand il les prépare, il dit, je vais l'envoyer. Et quand Dieu l'a envoyé, il dit, je dépose mon esprit dans leur vie. Quand il parle de moi. Il dit, il remplit avec mon esprit. Quand il parle de moi, il ne parle pas de lui-même, il parle de moi. Il parle de cet esprit. Tu parles de tout. Le livre de Jean 16 dit, le Saint-Esprit, il dit, quand le Saint-Esprit là, il parle. Il dit, il parle de moi. Il parle de Jésus-Christ. Il va nous montrer qu'il parle de Jésus-Christ. Il nous montre ce qui est dans son royaume. Il va nous montrer comment on va rentrer là-bas.
Et nous devons expliquer, mettre toutes les choses en détail, un par un, par un. C'est comme ça qu'on connaît le vrai nom de Dieu, serviteur de Dieu. On va nous attaquer, on va les critiquer, on va les faire tout, et on va les tuer même. Mais ne t'inquiète pas, parce que c'est écrit dans la Bible, il y a parmi nous qui va mourir pour cette affaire. Il y a parmi nous, mais je dis, personne ne veut pas mourir. Mais ils ont oublié que tous les disciples de Jésus-Christ, ils sont tous mourus à cause de cet évangile. Pour faire la vérité, ils sont tous mourus. Les gens là, ils sont fous. Les gens qui sont tous laissés, sont demandés de Jésus-Christ. Nous qui avons tous laissé, qu'est-ce qu'on va profiter? Et nous, on ne voulait pas tous laisser, on voulait prendre tout. Les disciples de Jésus-Christ ont sacrifié leur vie pour apporter, pour préserver l'évangile là, pour voir que les gens sont sauvés. Ils ont sacrifié leur vie. Mais nous, combien de choses, quoi que nous, on a été sacrifiés pour voir que l'évangile continue correctement, sans mélanger. Nous, ça que nous avons été fait, notre génération, ça qu'on a été fait, c'est pour tout mélanger. Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Ah, on va, si on n'est pas arrêté ça, c'est un fait direct. C'est un fait direct. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il nous a fait comprendre quelque chose encore. Il a dit, maintenant, pour cet esprit, pour connaître les frères cet esprit, Acte 1, verset 8, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit tombe sur vous. Si vous êtes là-bas. Le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Montre-nous toute la vérité. Celui qui va nous attraper, viens. Il y a beaucoup de nous ici, c'est quelqu'un qui nous a amené. Oui, c'est quelqu'un qui nous a amené, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit la personne, qui a conduit la personne et dit la personne, va aller chercher la personne là. Amène-le ici, amène-le. Quand il va nous amener, il va nous laisser. Alléluia. Il y a les autres qui amènent les gens ici, mais lui-même, il n'est pas sérieux. La personne maintenant, ils sont sérieux. Plus que la personne. Peut-être. La personne qui nous a amené là, qui nous a laissé, son nom n'est pas écrit dans le livre de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu l'a utilisé la personne seulement pour aller chercher son enfant qui est perdu quelque part, pour lui attirer. Viens prendre ta place. Que Dieu le fortifie. C'est l'esprit de la vérité. On ne joue pas avec cet esprit. Avant de lire là-bas, s'il vous plaît. On va lire d'abord. Avant de lire là-bas, regardez-vous ça, on va lire ça. Et quels sont les suites que nous on reçoit? Les gens qui disent qu'ils sont le Saint-Esprit. Il y a les autres qui disent ça pour chanter. Ah maman, 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 ils sont en train de faire ça. Avant que vous parliez, il va vous dire, tu as déjà eu le nez de niveau, j'ai déjà eu le niveau de vie avant de se briser. Avant que vous parliez, dit, maman, 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 vous dites, hey, moi je ne veux pas encore le soir pour moi. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est pas le Saint-Esprit. Des Corinthiens. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas pour le comédien. C'est pas pour faire le comédien. La personne a envie de faire le comédien et le connerie. Il y a des choses quand ils sont en train de préparer la sauce. Secoue. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia, c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11. Regarde ça que notre apôtre avec la révélation. Deux Corinthiens onze. Verset 3. Il nous a dit quoi? En français, s'il vous plaît. Toutefois, oui. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent pas et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Attends, d'abord, avant d'attraper là-bas, il dit, hé, Jésus Père, la façon que
le Satan, le diable, il est rentré dans l'église. J'appelle que l'église, la première église de Dieu, c'est Jardin de Eden. Satan, le diable, il n'est pas père. Sachez que Dieu, il vient là-bas. Lui aussi, il a rentré là-bas. Les gens pensent que parce que c'est l'église, le diable ne rentre pas. Le diable rentre. Même si là, le diable, il vient. Mais parce que le feu est trop, il fuit. Mais s'il n'y a pas le feu, il vient prendre la place. Il va d'abord assis. Après, un peu, quoi le trouver. Il va maintenant prendre la place de l'autel. Alléluia. C'est parce qu'il a rentré. Vous pensez que c'est sa première fois pour rentrer là-bas. C'est la première fois qu'il a rentré là-bas qu'il a utilisé Yves. Non. Il vient d'abord visiter. Vous connaissez le temps que Dieu a voulu venir, il va rester dehors. Non. Dieu il est là-bas. Quand Dieu vient regarder, il commence à regarder l'aile forte. Là où ils sont faibles. Mais le temps qu'il a trouvé ça, il a vu que oui, là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais attraper, je vais faire mon love. Et il a rentré. Ah, il a gagné. C'est ennemi intelligent. Alléluia. Très très intelligent. Il connaît comment il fait son love, son travail. Il a rentré, il a dit, Jésus Père, parce que de la même façon que le diable ne rentre pas au milieu de vous. Fais aussi comme il a fait contre Yves. Les gens qui disent que les actions de Samuel ne fonctionnent pas, n'est pas assez, il a amené ce niveau de Samuel. Pourquoi tout ça qu'on a fait de voir là, on a fait des études là, à ancien niveau. Voilà. Que Dieu nous délivre. La Bible dit, vous ne devez pas détruire le poteau. Le poteau que vous avez donné là, vous ne devez pas détruire ça. Cette pilier, on doit sous ça. Nous, on doit sous ça. Notre pilier, je vous dis que notre pilier, c'est l'Ancien Testament. On doit sous ça. Ne détruis pas ça. Allez. Ne détruis pas ça. Pourquoi dire que c'est l'Ancien Testament? Que ça ne fonctionne pas. Que le niveau Testament vient avaler ça. Non! C'est le poteau, c'est le pilier. L'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Papa continue. Il a dit encore quelque chose. Pourquoi tu es venu à cause de la simplicité de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, parce que Dieu, à cause de grâce, il laisse les choses. Pourquoi que le diable profite ça pour vous détruire? Les gens ont dit de faire n'importe quoi parce que Dieu, il aime, il regarde. Il regarde la simplicité de Jésus-Christ. Quelqu'un va aller forniquer, il va venir en train de prêcher la simplicité de Jésus-Christ. Quelqu'un il va tuer son frère avec sa bouche, détruire son frère, tuer son frère, envoyer son frère à la mort. Il va aussi rentrer en train de prêcher la parole de Dieu. La simplicité de Jésus-Christ. La simplicité de Jésus-Christ. Quelqu'un, il mange le mensonge rempli dans sa bouche, il vient encore, il prend. Le piano en train de jouer et dans le groupe de prières, mensonge, péché et la simplicité de Jésus-Christ. Pourquoi vous prenez cette simplicité comme qu'il est fou? Il n'est pas fou. Sa colère, c'est très dangereux. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Papa, continue. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort. Bien. Alléluia. Vous avez vu? Il y a trois choses qu'on a de parler de l'évangile de suite. Toi là, il y a le faux. Je vous dis, s'il n'y a pas original, vous ne pouvez pas trouver le faux. Obligatoire, on doit voir le faux. Faux Jésus-Christ, faux le Spirit. Maman, c'est faux, c'est pas le Spirit. Et c'est pas aussi la confirmation de Saint-Esprit. Non, c'est pas la confirmation. Si vous reçoit le Saint-Esprit, bam! Si nous donnons ça, on reçoit ça. Le livre de Galates 5, il nous a confirmé ça d'abord. Galates 5, à partir de verset 22, il nous a confirmé. La première chose que la personne va avoir la vie des personnes, c'est l'amour. L'amour de Dieu.
l'amour de Dieu. C'est pour confirmer, c'est ça que pour confirmer que quelqu'un il a reçu l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu d'abord. L'amour de Dieu rend la vie des personnes. Et on va aller lire ça vite pour rentrer dans le sens. L'amour de Dieu, si vous êtes là-bas, dans la 5, à l'université. Galates 5, s'il vous plaît. Body, Galates 5. But the fruit of the Spirit is love, l'amour, la joie, la paix, la patience dans la souffrance. La patience dans la souffrance, c'est ça que mon papi vous dit. La patience dans la souffrance, la gentilité. Bon, la fête. Et maintenant, il y a quelque chose. Tout ça, il va continuer de dire ça. Lis maintenant le verset 24. Il a dit quoi? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Si vous avez quelqu'un qui a l'histoire de Saint-Esprit, vous n'avez pas le passion, le désir de le monde. C'est pas tout dit, tu reçois le Saint-Esprit qu'on doit habiller comme le monde. Tu n'es pas comme, c'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Rappelle que ça qui a fait le pari là-bas, c'est la fruit de Saint-Esprit. La fruit de Saint-Esprit. Il me dit que là, tu reçois le Saint-Esprit. Le passion, le désir du monde, ça tue, il élimine ça, efface ça complète. Ça, c'est le caractère de Saint-Esprit. Tu n'avais pas me dire que tu n'as pas dit que tu reçois le Saint-Esprit, tout habillement, tout ça que tu fais, le pasteur avec la chinette et le bar partout et tout, et il y a les autres, le pasteur fait le rasta, fait son chevet et met le produit et le cheveu revient ça, et maquillage et tout ça, il dit qu'il est le pasteur. Tu n'es pas encore le Saint-Esprit, dit, va, repentez. Répandre la sacrée. La désir de choisir le monde complètement sa mort. La désir là que tu es, c'est la désir de le voir de Dieu. On lit le verset 5. And if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Maintenant, si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit et tu vis dans le Saint-Esprit, tu dis, tu vas maintenant marcher dans l'Esprit. Ce qui t'intéresse seulement, c'est les choses de Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu vis comme le monde. Tu as reçu. Quand il y a le Saint-Esprit qui parle, tu peux faire le miracle. C'est un autre esprit. Un autre évangile. C'est ça que tu es dans ta mère. Un autre Jésus. Il y a un autre Jésus. Jésus, même il a dit ça. Mais tout à l'heure, tu dis, un autre Christ, il va venir. Il va nous tromper. Un autre. C'est pour ça qu'on a Antichrist. C'est pour ça qu'il y a Antichrist. Que Dieu nous libère dans le Jésus-Christ. Que Dieu nous libère. Par la grâce de Dieu, à cause de l'avoir entré dans notre Jésus-Christ, demain, comme demain aussi, c'est un peu continuer à finir ce message du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Il dit, il va vivre avec vous. Et il sera aussi à vous. Deux points là, on doit attraper ça, attrape ça. Si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, priez et demandez Dieu, parce que si quand ça vit en toi, c'est le temps que tu as dans la clair. Ça, c'est tout le fou. Si on regarde aussi dans le livre de Éphésiens 5, à partir de 8 aussi, il a parlé de la fruit, à partir de 18. Il a parlé après de 8, il a parlé de 18. Éphésiens, il a parlé beaucoup de choses. Ça aussi c'est la fruit. Donc Éphésiens 5, oui. 5 a parlé de 8. Ça aussi c'est la fruit du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. La première chose, tu ne refuses pas la vérité. La vérité est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible là, quand Dieu parle, tu vas aller regarder. Tout ce qui est dans le Saint-Esprit, tu vas connaître le bon interprétation. C'est parce que les gens ne veulent pas recevoir la mer qu'il donne. Il y a la mer, 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 le don du Seigneur. La parole de Dieu, il y a la mer.
Et plus par la mer qu'elle donne, c'est dégage-toi tout le source, le monde, l'affaire du monde. Nous sommes dans le monde, mais on ne sommes pas du monde. C'est lui que le Saint-Esprit il va toujours reconnaître ça, il va se mettre ça dans sa tête. Je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Donc tous les désirs et tout ce que le monde, tous doivent la chair, il veut. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec cette chair. Il va nous transformer. C'est pour ça que dans le dans la révélation de la seule grâce, Dieu il a fait de mourir d'abord, mourir, avant de monter là-bas. Parce que tu dois déposer la chair là, elle ne doit pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que le temps la lève, on va transformer. La chair là, c'est le monde. On ne doit pas rentrer là-bas avec ça. Et Dieu il a fait de mourir d'abord, maintenant, il a transformé pour aller là-bas. Parce que là-bas, c'est sain. Et qu'elle ne rentre pas là-bas n'importe quoi. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous recevrez la puissance. La puissance, ça, c'est quoi? La puissance pour connaître la vérité. Alléluia. La puissance. Et continuez. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Dans toute la Judée. Alléluia. Dans la Samarie. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance, c'est quand le Saint-Esprit tombe sur nous. La puissance de la vérité, parce que si tu ne connais pas la vérité, quand tu vas aller évangile, tu vas continuer de diriger les gens dans en fait. Tu conduis les gens en fait. Quand le Saint-Esprit descend à toi, tu commences par la vérité, l'évangile de Jésus, la vérité, parle les gens à la vérité, dis-leur la vérité, même si on te tue. Dis-leur, continue de parler la vérité. Et Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Éteins, il a parlé la vérité. Éteins, on est tué avec le caillou. Lâche le caillou. Quelqu'un est en train de mourir. Il veut toujours la vérité, la reste dans sa bouche jusqu'à la fin. Apôtre Paul est là-bas. Avant qu'il revienne à Apôtre Paul, il était Saoul. Il est celui qui a dirigé cet groupe pour aller tuer les enfants de Dieu. Il est là-bas. Tue-lui. On a lancé. Éteins, il reste toujours en train de confesser la vérité là. Répandez-vous. Dieu pardonne-les, il est amoureux. Nous, on ne voulait pas voir ça. On voulait la sucre, le bonbon, le chocolat, le message de chocolat. Départ, fuis, quittez dans ce message de chocolat. Message de bonbon, trop sucre. Quand on mange trop de choses sucrées, ça gâte notre don. Alléluia. Même le derrière, oui. Ça va d'abord gâter notre don, après le derrière. C'est des choses sucrées. C'est pas bon pour le corps. C'est pas bon pour la santé. C'est pour ça que je dis beaucoup de choses, nous sommes maintenant, il y a beaucoup de choses de bio, pour réduire le sucre. Parce que c'est pas bon pour la santé. Et les gens, les enfants, les deux veulent continuer de manger la parole sucrée, le message sucré. Ça va gâter notre dos et aussi notre santé et notre vie spirituelle. Reçois le message qui va nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a avoir reçu la puissance de prêcher la parole de Dieu, la puissance pour prier. Un enfant de Dieu qui ne prie, qui n'est pas la puissance pour prier. Demandez le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit pour prier. Reçois le Saint-Esprit pour veiller. Reçois le Saint-Esprit pour croire la vérité. Reçois le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Même le temps que je suis fatigué, je dis au Seigneur, donne-moi la puissance pour prier. Mais là, quand il rentre dans la prière, la puissance là vient automatique. C'est comme ça. C'est ça que le Saint-Esprit fait. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, quelqu'un qui dit qu'il est le Saint-Esprit, il condamne l'église qui veillait chaque vendredi. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu condamnes? Parce que ça veut dire que tu n'es pas reçu le Saint-Esprit. Et ça que tu as reçu, c'est un autre évangile, un autre Jésus. Ce n'est pas Jésus. Parce que tout ça qui partait de Jésus-Christ ne condamne pas Jésus-Christ. Si je vois que vous priez plus que moi, je vais être jaloux de votre Saint-Esprit. Je vais demander à Dieu, donne-moi
de Saint-Esprit que tu as donné à la sœur Bladine. Que moi aussi, je vais être comme la sœur Bladine. Ah, la sœur Bladine va commencer le matin jusqu'à le soir. Il n'est pas fatigué. Mais moi, je fais seulement 30 minutes, je suis fatigué. Ah, non. C'est pitié de moi. Donne-moi cet esprit. Donne-moi cet esprit. C'est ça que je veux demander. Tu vas parler, vous condamnez. Prends votre téléphone, appelle-vous. Ça, c'est quand j'ai prié, j'ai tout pris. Et depuis matin, Dis-moi, Ekané. Ah, tout le temps, tu vas dans l'église. Si vous vas dans l'église tout le temps, et mon église ne fait pas les choses comme ça, et je suis à côté de mon pasteur, je vais aller regarder la Bible. Je dis ça, je vous demande, comment vous, tout le temps dans l'église, vous montez, je suis dit, il te prend ta croix tous les jours, sous moi. Hein? Luc 9, 22, 23, 21, il m'a dit, sous toi. Il n'y a pas un jour. Ok. Ok. Et il a dit, veillez-vous tout le temps, veillez-vous et priez. Ah. Je vais maintenant aller voir mon pasteur. Pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi nous aussi, on ne prie pas, on ne fait pas, on ne fait pas tout cela. Et puis on change les choses. Hein. Peut-être on va demander de la réveiller et de faire les deux rangs dans notre église. On doit changer les choses. On doit changer les choses. Que notre église aussi est. Si le pasteur commence à connaître, laisse-le. Il ne connaît rien. Va chercher. Là où tu vas réveiller. Tu vas nourrir ta vie spirituelle. Là où tu vas revenir, fais des faits pour Dieu. Tu vas revenir au soldat de Dieu. C'est pas pour lui utiliser le téléphone à dire C'est un diable. Tu vois, l'éternel, ça que vous voulez faire, vous voulez tuer votre vie spirituelle. Que vous reveniez comme lui. Que Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Que Dieu le fortifie. On doit connaître toutes ces choses-là. Le Seigneur qui nous a appelés, nous a appelés pour être chrétien de bonbons, chrétien de chocolat, chrétien de fête. Sorti dans le butin de premier Adam. Sorti dedans. Premier Adam, il a perdu parce qu'il était chrétien bonbon. Chrétien, Jésus-Christ, il a fait tout. Dieu, il a fait tout. Parce que quand il regarde, c'est lui qui contrôle le monde. Adam, c'est lui qui contrôle le monde là. La clé du monde là, c'était dans sa main. C'est lui qui contrôle tout. Qui domine tout, qui dit tout. C'est là, toi, tu vas rester là. C'est lui qui est le chef de tout. Mais il était à l'aise. Il était à l'aise. C'est tout. C'est bien. Il ne sait pas le temps que le diable va rentrer. Il a détruit sa mission. Le diable a pris la clé dans sa main. C'est pour ça que le deuxième Adam est venu dire non. Le diable, je ne suis pas comme le premier Adam. Je suis venu pour faire une mission. Et cette mission doit initier par la prière. C'est la prière, la force pour établir notre mission dans ce monde. Si on n'est pas dans la vie de prière, on va perdre comme le premier Adam. On va tous perdre. La Bible dit, il est Dieu, Jésus est Dieu lui-même. Mais la Bible dit, il a commencé avec la prière, il a terminé à la prière. C'est un exemple, il nous a montré un exemple qu'on doit suivre. Pourquoi on ne fait pas sous ça? On dit qu'il a tout fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a tout fait, mais il a donné la journée. Les gens disent qu'il a tout fait, pourquoi vous pouvez le faire? Mais pourquoi il nous a donné la puissance? Ça qu'il vous a dit, vous recevrez la puissance. La puissance là pour faire quoi? Vous faire les franchises. Vous faire le miracle. Vous connaissez la vérité. Parce que il dit que quand le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité, il va nous conduire dans toute la vérité. Montrez-nous la vérité. Faites-nous connaître la vérité. Dirigez-nous dans la vérité. Là où Dieu il est, il va nous montrer que Jésus là. Là où Dieu n'est pas, il va nous dire non. Qu'est-ce que le Saint-Esprit il fait? Il nous donne l'esprit de discernement. On sait Dieu, on n'a pas l'esprit de discernement. Demandez l'esprit de discernement pour connaître la vérité. L'esprit de discernement. Il nous donne l'esprit de discernement. C'est pas parce qu'il y a le miracle là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit le vendredi que Dieu aide la personne. Quelqu'un, il a dit de venir. Il voulait te dire de venir dans l'église. Il dit viens dans notre église. On peut parler de l'église de Nigeria. Et ça. Notre église, moi, quand j'arrive en Europe ici, je suis pauvre. Maintenant, aujourd'hui, je suis riche. J'ai la voiture. Je suis riche. J'ai dit à la personne, c'est ça que j'ai dit, oui. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'évangile que Jésus m'a envoyé. Va aller dire, peut-être, répandez, parce qu'il y a le roi de Dieu, il veut tout dire.
tu vois, tu commences l'église, tu vois l'église, tu ne peux pas aller dans l'église de Niger. Ça veut dire que tu as réussi d'abord. L'église de Niger, que tu parles là, est-ce que tu connais cette église même? Il n'y a pas même un effet, ce n'est pas l'église de Niger. C'est l'église de Dieu. Donc, quand le Père ne peut pas venir vous dire que c'est mon église, jamais, il n'a jamais dit ça même. Il n'a jamais dit ça. Nous, en plus, vous pressez, il ne peut pas vous donner le message. Si Dieu t'appelle, Dieu va te donner le message. Va aller nourrir les enfants de Dieu. Si c'était ton église, si c'est son église, il va nous tous donner le message. Il va nous donner le message. Mais ce n'est pas son église, c'est l'église de Dieu. Lui, il fait aussi son travail. Si Dieu lui appelle aujourd'hui, il part. Il dit, j'ai déjà fini ça que tu m'as dit. Au revoir. Ce n'est pas une église de quelqu'un. C'est pour ça que MFM, c'est partout dans le monde. Arabie là-bas, il y a le pasteur arabe. Sud-Arabie, il y en a. Le chinois, il y a le pasteur chinois. Il y a tout, on a tout, c'est complet. Que Dieu nous fournisse au nom de Jésus-Christ. On va aller dans notre. On va continuer, nous reste le message demain. Que Dieu nous fournisse. C'est important pour le soir, le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit. I'll take your place. Come and take your place, my life in my life. Come and take your place in my life. Come and take your place. Hallelujah. Come and take your place. Come and take your place. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à parler par le Seigneur, par le Seigneur. On va rentrer dans le Saint-Saint, par le Seigneur, on a déjà reçu. Maintenant, on connaît ce qu'on appelle le Pâques. Donc, on connaît ce qu'on appelle le Pâques et on connaît le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Pâques, c'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit. Il a déposé son esprit, il a rendu ça, c'est ça qu'on a pris, c'est ça que Dieu a utilisé pour nous chercher aujourd'hui pour déposer dans notre vie. Et on a aussi vu le message, il a dit, il a dit vive et à nous. Alléluia. Nous, moi, je veux que le Saint-Esprit vive à moi. Ce n'est pas pour avec moi. À moi, je veux qu'il vive avec moi. Ils vivent à moi, à l'intérieur de ma vie, par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a des choses? Il y a des choses qui bloquent le Saint-Esprit qui ne vivent pas à nous. Si on n'est pas encore pur, bien bougé, purifié, éliminé les choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie. Si on a encore le désir de le monde, la fin du monde, et toutes ces choses sont encore trouvées avec nous, on n'est pas encore changé, notre comportement, les choses bloquent le Saint-Esprit. Et si Dieu le trouve dans cette affaire, la personne va regretter. C'est pour cela que pour prier, demander au Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie qui refuse la présence de cet esprit? Qu'est-ce qui est encore dans ma vie? Qu'est-ce que les choses anciennes? Anciennes, les choses anciennes. Les choses anciennes, les choses qui ne glorifient pas Dieu. La vie ancienne, celui qui vient de Jésus, il vient, mais quand il est venu, il doit maintenant recevoir le message. Pour changer par le Seigneur. Je dois changer. Je ne dois pas continuer d'être comme je suis avant. Je ne dois pas continuer. Le comportement, l'attitude, le rébellion, la désobéissance, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, non, c'est pas toutes les choses là, c'est pas pour le Saint-Esprit. Je parle à l'âme, je fais le miracle, je fais toutes ces choses là, et toujours, il y a l'attitude, le comportement qui sont encore anciens. Dans ma vie, avant que Jésus vienne à Jésus-Christ, il dit, bougez-vous tout. Je ne prends pas Dieu sérieux. Oh, c'est un mauvais caractère aussi. La Bible nous a fait comprendre dans l'Apocalypse 21 et verset 8. Tous les gens qui ne prennent pas Dieu sérieux, qui jouent avec Dieu, il dit, il sera en fait. Les gens qui prennent Dieu, qui font n'importe quoi. Le jour d'aller dans le Seigneur, le jour de Saint-Esprit est en train de parler,
Va dans l'église, va la prière, va. La personne va aller à la discothèque, après d'aller boire et danser et faire toutes les choses du monde. La personne n'est pas encore le soin de Jésus-Christ. Elle n'est pas encore le soin de Jésus-Christ. C'est pas le Seigneur, aie pitié de moi. La colère, la haine. L'Esprit dit, ne pardonne pas, je ne pardonne pas, je ne peux pas les pardonner. Il a dit, m'a fait mal, mais moi-même, je ne peux pas les pardonner. La personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est l'Esprit, c'est la clé de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. L'Esprit, c'est la dit, si on n'est pas né avec l'Esprit, le Saint-Esprit, on ne peut pas rentrer dans son royaume. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. C'est pas la langue, la langue. La langue, c'est le don. 1 Corinthiens 12, la langue, c'est le don. Et il donne personne, même celui qui fornique, il parle la langue. Celui qui lui accorde tout le moralité et tout, il parle la langue. C'est pour cela que quelqu'un ne doit pas nous tromper avec ça. Quelqu'un ne doit pas nous tromper avec ça. Et, miracle. Quelqu'un qui lui accorde le péché, il fait le miracle, il fait le miracle, il fait le miracle. La prophétie, il veut le faire. Chasser le démon. Quelqu'un qui est dans la Bible, dans le péché aussi, il peut chasser le démon parce que la Bible dit le don de Dieu, Romains 11, 29, c'est Dieu, il donne sans repentance. Il donne sans repentance. Mais le Saint-Esprit, il ne donne pas le Saint-Esprit sans repentance. C'est ça. C'est le mystère qu'il donne. Il donne le don sans repentance. Mais le Saint-Esprit dit non, il ne donne pas ça sans repentance. C'est cela que quel genre d'esprit que nous on a reçu. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est le faux esprit? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Viens, règne dans notre vie. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ton message. Manifeste la puissance. Maintenant, on va rentrer dans le Saint-Saint. Seigneur, descend. Que le Saint-Esprit qui est en train de parler là depuis. Saint-Esprit, prends contrôle de Saint-Saint. Et quand on va manger, Saint-Esprit, rentre dans notre vie. La Bible dit quelque chose encore. Il dit, quand le Saint-Esprit descend, quand il rentre dans votre vie, il dit, vous-même, vous allez trouver que les possibilités, les choses qui sont impossibles dans votre vie vont devenir possibles. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail de Saint-Esprit. Quand il descend, il a dit, Marie, regarde, quand le Saint-Esprit, il va prendre le contrôle de ta vie, tu vas voir que tu seras enceinte sans un homme te touche. Alléluia. L'impossibilité revient possible. C'est donc à travers de ces toutes choses qui sont dans notre vie qui sont revenues impossibles. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre. Il va faire toutes ces choses qui vont revenir possibles au nom de Jésus-Christ. Priez de manière le Seigneur Jésus. Devez dans l'Esprit. Le vrai Saint-Esprit, la clé pour entrer dans ton royaume, Seigneur, baptise-moi. C'est toi qui baptises, c'est toi qui donnes ça. C'est pas un pasteur qui donne ça. Ça que le pasteur fait, prêche, donne, parle, Seigneur, parle aux enfants de Dieu, dis-leur la vérité, montre-leur comment reçoit le Saint-Esprit. Parle-leur la vérité. Celui qui veut reçoit, il reçoit. Celui qui ne veut pas, laisse-les, dis-leur la vérité. Ouvre ma parole, dis-leur la vérité. Et il a dit, je vais te saluer moi-même. Je vais les visiter. Seigneur, viens faire ton nom. Viens glorifier ton nom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lave-nous, purifie-nous avec ton sang. Viens glorifier ton nom dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste la puissance de notre vie. Seigneur Jésus-Christ, rampe dans cette ville ensemble, dans cette terre, Saint-Saint, et glorifie ton nom. S'il vous plaît, thank you, Jesus. Si quelqu'un aide nous, ouvre Matthieu 26, la Bible dit, elle a pris. Alléluia. Elle a pris cette paix. Elle a rempli ça. Matthieu 26, à partir de 24, 25. C'est là-bas, il a pris ça, il a béni son père et il a rempli. Donc on va lever notre voix, Seigneur Jésus-Christ, commence à bénir le Seigneur, glorifier Dieu. L'appel qui a rentré, il y a la fête pour lui remercier pour ça. La fête, ce n'est pas pour aller manger et boire et faire n'importe quoi. C'est pour les enfants de Dieu, pour glorifier Dieu.
pour cette miséricorde qu'il a fait de notre vie. Et il a envoyé son fils pour venir nous racheter avec son sang. C'est le temps pour lui remercier pour ce sacrifice qu'il a fait. C'est un grand sacrifice. Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette année encore, pour cette opportunité, pour être vivant, pour continuer dans ton message et dans cet évangile, dans cette vérité, Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité encore, pour voir notre mois de Pâques. Seigneur, descends avec ta puissance. Prends contrôle de cette paix. Que cette paix revienne à ta chair. Comme on va manger, Seigneur Jésus, on mange la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que tu as rendu cet jour, que ton papa il a pris pour donner à ses enfants. Seigneur Jésus, aujourd'hui, la même chose vient faire ça. Le temps qu'on va manger, on va manger ta puissance du Saint-Esprit. La clé pour entrer dans ton royaume. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, la prière. Amen. La Bible dit la clé est remplie. Et comme tu as été rempli, tout problème dans notre vie qui doit détruire et disperser pour nous libérer, tous ces problèmes, je déclare que tous ces problèmes commencent à remplir au nom de Jésus. C'est mon niveau alliance que tu as établi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tout qui va prendre cette verre dans les mains, Seigneur Jésus-Christ, que ça sera un nouveau testament dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette verre soit remplie avec ton esprit. Quand on va boire ce Jésus-Christ, on va boire le Saint-Esprit. Et l'esprit de la vérité va rentrer dans notre vie. Pour transformer notre vie, pour bouger, pour éliminer tout ce qui n'est pas pour toi dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Descends avec ta puissance que cet niveau alliance annule toute ancienne et mauvaise alliance dans notre vie. Par ta puissance au nom, puissance de Dieu avant prière. Amen. De la même façon aussi, il a pris le vin. Il a dit ça, c'est mon sang. Et je vais vous donner. Alléluia. Et il nous a fait comprendre que c'est le vin de la vie de fruit. Ce n'est pas un autre quel vin. Et ce n'est pas aussi alcool, sans alcool. Mais on sait que partout, le fruit et tout, il y a un petit alcool dans tout le fruit. Ça, c'est alcool qui préserve, alcool naturel qui préserve le fruit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est pour nous préserver. C'est pour ça qu'on doit recevoir ça. Ça doit être à nous. Pour nous préserver. C'est ce que le Saint-Esprit fait aussi. C'est pour nous préserver. Préserve les enfants de Dieu. Pour l'enlèvement, pour n'importe qui, nous préserve. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton sang que tu as versé pour nous racheter. Descends avec ta puissance. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance à travers de cette vin, Saint-Esprit. Quand on va boire le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit rentre à nous. Tout ça qui doit les bouger, que ça bouge. La maladie, la difficulté, le péché qui bloque la puissance de Saint-Esprit, qui bloque la manifestation de Saint-Esprit dans notre vie. À travers de cette Saint-Esprit, ton sang qu'on va boire, que tout soit éliminé au nom de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, prie aussi.
à ta puissance. S'il y a parmi nous qui a été de souffrir n'importe quelle maladie, attaque, n'importe quoi que ça peut être, ça va être souffrissé. Mal de pied, de jambes, n'importe quel genre de choses. À partir d'aujourd'hui, Seigneur va confirmer ta parole. Le Saint-Esprit va nous dire, le Saint-Esprit va nous dire, il dit, rien ne peut pas être impossible. Il n'y a rien qui est impossible avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, éliminez tout. Descends avec ta puissance. Prends contre le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, avec prière. Amen. Amen. Mon cœur et toi, mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal en moi soit détruit. Oui, moi tout, Seigneur. Commence à prier, mais mange pas d'abord parce qu'on va manger ensemble. Mange ensemble, on boit ensemble. Commence à prier. Priez. Demandez le Seigneur. Baptise-moi avec ton esprit. Que veut le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est là pour nous donner la puissance. La puissance pour te fuir pour le fortress de ténèbres. La puissance pour marcher sous le diable. La puissance pour marcher sous le plan, le programme des ennemis. C'est ça que le Saint-Esprit fait. La puissance pour dissuader notre ennemi. La puissance pour conforter notre ennemi. La puissance pour être victoire. Victoire toujours. La puissance pour être victoire toujours. C'est ça que le Saint-Esprit fait. La puissance. Entre tes mains, abandonne tout à l'époque. La puissance pour entrer dans le royaume de Dieu. La clair. Parle le Seigneur. Parle à lui. Quand le Saint-Esprit descend, il ouvre la porte de la joie. La porte de la joie. Impossibilité revient possible. Seigneur Jésus-Christ, viens glorifier ton nom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom du Saint-Esprit de son avant prière. Mange-le. Père. On va aller en genoux. En genoux. Commence à parler. Parle avec notre Père, notre Dieu. Parle notre Père, notre Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Parle au Seigneur. Celui qui veut le Saint-Esprit, continue de demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui détruit et disgrace, élimine, efface toute chose satanique, toute chose, toute attaque, tous leurs plans, tous leurs programmes. Le Saint-Esprit, quand il est dans la vie des enfants de Dieu, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui va essayer d'appeler dans le ténèbre. Si il t'appelle là-bas, le feu de Dieu va apparaître. Par le Seigneur. Le chômage, il respecte Saint-Esprit. La difficulté, il respecte Saint-Esprit. Le siècle, il respecte Saint-Esprit. Le sorcellerie, le ténèbre, le secours, il respecte un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Il respecte tous les enfants de Dieu qui a le Saint-Esprit. Il y a le feu qui nous protège. Il y a le mal qui nous protège. Seigneur, dis ça avec ta puissance. Baptise-nous, Jésus. L'Esprit de Dieu,
Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Come and take your place. 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 Take your place, Jesus. Take your place, Jesus. Holy Ghost, take your place. 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 Holy Ghost, Jesus. Take your place. 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 De rentrer. Il voulait rentrer. Mais cette chose dans la vie des personnes ne veut pas. Laisse Dieu rentrer. Laisse-le. La personne, tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Hey. Jesus. Take your place. Papa, aie pitié, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, Jésus. Your mercy. Be merciful, Father. Be merciful, Jesus. Be merciful, Seigneur Jésus. Ta miséricorde. La pitié est déjà sortie, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, descend dans la vie de ton peuple, descend dans la vie. Touche-nous. On ne voulait pas continuer de vivre comme ça. On ne voulait pas continuer de vivre n'importe quoi. On ne voulait pas continuer de vivre comme le païen. On ne voulait pas continuer de vivre dans les rêves. C'est un pitié. L'esprit de la vérité, Saint-Esprit.
Holy Ghost, fais ton nom par moi. Tu es mon Dieu, fais ton nom par moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Saint-Esprit, fais ton nom par moi. Tu es mon Dieu, fais ton nom par moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton nom par moi. Seigneur, tu es mon Dieu, fais ton nom par moi. Jésus, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton nom par moi. Oh, tu es mon Dieu, fais ton nom par moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Saint-Esprit, évacue toute chose qui bloque ta présence dans ma vie. Priez et demandez le Seigneur. Évacue toute chose, Saint-Esprit. Toute chose qui ne partait pas de toi dans ma vie. Toute chose qui bloque ta présence, qui bloque, oh Saint-Esprit. Qui bloque mon miracle, qui bloque ma bénédiction, qui bloque ma délivrance. Oh Seigneur Jésus, évacue tout, Seigneur Jésus, évacue, Seigneur Jésus, évacue, Seigneur Jésus. Toutes choses qui bloque mon progrès, qui bloque mon avancement, qui bloque ma ministère, qui bloque mon appel. Priez, demandez au Seigneur, demandez de se croiser. Celui qui baptise, il a dit, si vous demandez le Saint-Esprit, je devrais vous donner. Si vous demandez le Saint-Esprit, je devrais vous donner. Priez, demandez Dieu. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on demande. Demandez-vous le Saint-Esprit, il va nous donner. Il va nous donner. Demandez, priez. Ma vie ne peut pas continuer d'être comme ça. Non. Je ne veux pas dire que j'accepte ce Christ. Je continue de vivre dans la sainte vie, à sainte comportement, à sainte attitude. Oh, je continue de discuter la parole de Dieu. Discute la parole de Dieu. La vérité, il vient. Je discute. Ah, ça, c'est la vie. La vie, il rentre en vie. Débattez le Seigneur. Je ne fais pas. La vérité, c'est clair. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas continuer de manger la parole sucrée. Ça tue. Il nous a dit, mangez avec les arbres, amen. Mange avec les arbres, amen. On doit manger, amen, dans le Seigneur, amen, dans la parole de Dieu. Oh, pour être fortifié, pour avoir l'assurance de notre salut, l'assurance de rentrer dans son royaume. Seigneur Jésus-Christ, viens pitié, baptise-nous avec ton feu. C'est toi qui baptises avec le Saint-Esprit et le feu. Enlevez le feu. Le feu de Dieu, descend dans M22. Baptise-nous, Saint-Esprit. Que notre vie change. Thank you, Jesus. Yes, Lord, I worship you, Lord Jesus. Thank you to glorify. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vivre à nous.
vivre à nous. On ne veut pas que tu vives avec nous seulement, mais vivre à nous. Prends contrôle de notre vie. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Thank you. Tout problème, toute situation, il va le faire. Et il continue. Et le message va continuer sur mes mains. S'il vous plaît, par la grâce de Dieu, le Seigneur là, vraiment, il y a beaucoup de prières qu'il a montrées, m'a montré. On va faire demain. Et ça que demain, c'est férié aussi, par la grâce de Dieu. Et demain, on va terminer ce message. Et la prière, c'est il m'a montré. Qu'on va, lui-même, il va accompagner cette prière avec son feu. Alléluia. Que Dieu le fortifie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu as déjà fait. Règne dans notre vie. La fête des Pâques-là sera une fête qui va transformer notre vie pour marcher et continuer de grandir dans le Seigneur spirituellement et physique. Cette fête, Dieu lui-même, il va reconnaître cette fête dans cette église. À son royaume là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Dieu. Et on va prendre notre dîme offrande. On va prendre notre dîme offrande. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fais ton love à moi. Tu es mon Dieu. Fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Saint-Esprit, fais ton love à moi. Jésus, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton love à moi. Jésus, tu es mon Père. Seigneur, fais ton love à moi. Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur, tu bénis pour tout ce que tu as déjà fait. Règne dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Reçois notre Dieu, notre enfant, et plongez tout dans le sang de Jésus-Christ. Continue avec nous. Que ta faveur couvre-nous, enveloppe-nous. Au nom de son Dieu, on va prier. Amen. Fais ton love à moi. Oh, tu es mon Dieu. Fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton love à moi. Jésus, tu es mon Dieu. Saint-Esprit, fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, fais ton love à moi. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, fais ton love à moi. Seigneur, tu es mon Dieu. Amen. 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 N'oubliez pas demain, à la grâce de Dieu, que Dieu nous fortifie. Demain, on va terminer cette maison et avec eux, la prière qui est sur ça. C'est un grand souci, c'est une plus grande opportunité de délivrance demain. La puissance de Saint-Esprit, on va voir ce qu'il va faire pour le début demain. Il a déjà commencé maintenant et quand il le fait sur ma création, il va finir ça demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous couvre avec le sang de Jésus-Christ. Que Dieu règne dans notre vie. Que sa grâce reste toujours avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. De plonger les enfants dans le sang de Jésus-Christ. De plonger notre maison, la famille, la rue, la voiture dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, règne dans notre vie. Et MFM tout de plonger dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, avant prière. Amen. 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 On va partager la grâce. Et s'il vous plaît, avant de partager la grâce, n'oubliez pas notre croisade. Notre croisade, s'il vous plaît. N'oubliez pas notre croisade. Sentez d'approcher.
Notre branche, chaque branche, notre branche, c'est 1000 euros. Donc n'oubliez pas, on doit cotiser. C'est la croissance pour gagner les âmes. Et nous aussi, on sera juste là-bas. Nous aussi, on consent. Nous qui n'est pas encore parti, allez voir comment, quand même, voir comment MFM fait les choses. On va là-bas, c'est 2 jours, on prend notre vacances, on les voit. Samedi, dimanche. Comme toujours, samedi, dimanche, on va aller voir. Nous, pas de tout, ne connaît pas comment prier. On va voir comment on prie. On va voir comment la bruit, quand on prie, on va voir comment la bruit, il revient, la prière revient de trompette dans le ciel. La bruit seulement, Dieu lui-même, il ne veut pas même dormir. Quand on prie, on va aller voir ça. Et les enfants aussi vont aller voir, et ils vont voir tout le catégorie. On a tout le catégorie dans mes films. Comment les enfants prient, les enfants aussi prient. Maintenant, nous, les adultes, maintenant, on va voir si les enfants ils peuvent prier comme ça. Et nous aussi, on va voir comment, si on va arranger nous-mêmes ou on va laisser comme ça. Alléluia. Donc, c'est très important pour aller voir ça. Alléluia. Amen. Et aussi, celui qui doit toucher, pour là-bas, on voulait arranger un place pour les enfants. Si Dieu vous a touché, on a été cotisé pour arranger là-bas. Que Dieu glorifie son nom dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse son face sur nous tous, que l'Éternel nous accorde sa grâce plus en plus, que l'Éternel tourne toute sa face vers nous tous, et que l'Éternel nous donne la paix, et que sa faveur reste toujours avec nous. Au nom puissant de Jésus, la bonne prière. Amen. Cette Alléluia qui disgrace le ténèbre. On y va. Alléluia. 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 Amen. 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 Les enfants. Les enfants. Salut quelqu'un, bénis quelqu'un, bénis quelqu'un. Dis la personne. Dis la personne de conduire. Continue de vivre dans le Saint-Esprit. Vive dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. C'est pas avec le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Vive dans le Saint-Esprit. Thank you.
Yes.